la météo avec C3A Productions. Bonsoir chers téléspectateurs et merci d'être attentifs à ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Comme petit rappel, l'Armenton fait son avancée sur l'étendue de notre beau triangle national, ce qui se caractérise par des vents froids et secs qui se déplacent et déplacent des particules de poussière en quantité sur l'ensemble des différentes régions. Ainsi comme conseil pratique, il est important d'arborer votre masque facial pour bien vous protéger. Côté température, elles seront comprises entre 13 et 25 degrés, représentant la minimale et la maximale attendue dans une partie de la région du sud. De manière un peu plus détaillée, mesdames et messieurs, je vous embarque dans la belle extrême nord. Comme vous pouvez l'observer, le ciel sera totalement dégagé. Ainsi, tout déplacement nocturne sera ainsi facilité. À présent, dans la région du centre, pour cette soirée, le ciel sera totalement couvert, 20-21 degrés côté température pour cette soirée et optimateurs resteront contrastés, compris entre 17 et 25 degrés dans la région de l'Est. Pour terminer, c'est un ciel nuageux observable dans l'ensemble, Bertois, Batory, Abomban, Yokadoma et ce jusqu'en début de matinée pour des températures comprises entre 16 et 21 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo, mesdames et messieurs. Hydratez-vous le plus possible et j'ai déniché tout dernièrement un magnifique endroit. Il s'agit des chutes des Comcom. Je vous souhaite une excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h30 sur la CIR TV, les titres du journal. En mot de urgence, le renouveau du football camerounais est un impératif. Le président de la République en a appelé au sursaut des acteurs. Pourtant, la partie reste dominée par des gestes d'anti-jeu qui bloquent la poursuite du match. Autopsie du football et tentative de médication, c'est le dossier de la rédaction. En mode régulation, les sociétés de gardiennage rentrent dans les rangs. 16 nouveaux agréments octroyés par le président de la République et une assiette d'activité élargie avec en sus des exigences de respect des normes. En mode médecin, reconnaissent la toute-puissance divine et leur finitude. Ce mercredi, ils se sont fait marquer le front de cendre pour inaugurer 40 jours de prières ferventes et de partage. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Le 20h30 ce soir, au chevet du football camerounais, la guerre des tranchées entre les dirigeants a conduit à une impasse. Pas de championnat local, les vestiaires restent fermés. Pourtant, le Cameroun ne s'est jamais aussi bien porté en offre d'infrastructures. 7 stades de compétition, 28 terrains d'entraînement, des cadres d'expression, des talents offerts par la jeunesse sportive camerounaise, par le président de la République. Petite revue avec Joseph Guetta Mandeng. Des stades de football quasi incomparables en Afrique subsaharienne. Le Cameroun est agréablement nanti en infrastructure. Il compte 7 stades de football de compétition conformes aux normes et standards, comme le veut la FIFA. Dans la ville de Yaoundé, l'antre principal du complexe multisport de Limbé avec ses 60 000 places est un joyau qui suscite de la convoitise. Le stade Omnisport d'Omfandena, entièrement refait, comporte l'essentiel de l'attirail informatique et électronique. À Douala, le stade de Japoma, 50 000 places, s'inscrit dans le chapitre des monuments de référence de la ville à l'une de ses pénétrantes. À Bipanda se dresse agréablement le stade de la réunification avec ses 40 000 places assises. À Limbé, le stade Omnisport situé en Guémé donne une vue sur la mer et l'océan. Et dans la même configuration, le stade Omnisport de Garoua et celui de Bafoussam sont conçus pour être des lieux de vie, même des jours sans match de football. Des équipements appropriés constituent le dénominateur commun de ces infrastructures. Tout ce matériel
À l'instar de la VAR, installée sur ces différents sites, est la propriété de l'État du Cameroun. À côté de ces stades de compétition, le Cameroun compte 28 terrains d'entraînement, tous homologués et conformes aux normes. Ces infrastructures de choix sont la matérialisation de la volonté du président de la République, Paul Biya, permettent ainsi à la jeunesse camerounaise de s'épanouir de manière significative. Politique du football est pensée dès la pépinière comme une école de vocation à mouler et à polir à travers une détection précoce des talents et un encadrement adapté. C'est la vocation de l'ANAFOOT. L'Académie nationale de football est une belle promesse avec déjà un réservoir de 1300 talents en formation. Evariste Yenga. Premier résultat de l'Académie nationale de football. Nous avons trois jeunes filles de moins de 17 ans qui faisaient partie de l'équipe nationale U17. C'est la première cuvée. Chez les garçons, nous avons, actuellement, je parle, nous avons 5 gamins à l'équipe nationale de U17. Nous avons eu à envoyer une jeune du côté du PSG faire un petit stage. Nous avons voir aussi un de nos gamins aussi qui est parti du côté de City aussi. On a aussi des joueurs tels que Conte Nathanael, il y a des joueurs tels que Nguene et il y a Djenge qui est un très bon milieu de terrain aussi. Des partenariats sont aussi en cours et en gestation avec Manchester City et le Paris Saint-Germain. On était partant déjà pour signer des partenariats. Malheureusement, comme j'ai dit l'année passée, le Covid est venu et puis tout s'est arrêté. C'était bien cela la visée du président Paul Biya à la création de ce moule en 2014. Faire de l'ANAFOOT un réservoir de talents formés au moyen des capitaux publics, des talents à même d'assurer la relève dans les sélections nationales. Les jeunes s'en réjouissent bien au jour le jour. Et j'ai le plaisir de recevoir à présent le rédacteur en chef des sports à la rédaction centrale TV de la CRTV, Germain Noël Essengue. Bonsoir Germain Noël. Bonsoir Evelyne. Alors on vient de voir un tableau idyllique, une belle politique pensée, de belles infrastructures, une pépinière qui fonctionne avec de belles promesses. On a envie de dire aux acteurs maintenant à vous de jouer. Ah oui, absolument, Evelyne. Le constat est pour le moins curieux. Alors, lorsqu'il n'y avait pas ces infrastructures longues que l'on connaît, mais depuis quelque temps, nos infrastructures sportives cherchent désespérément des acteurs distraits par les saisines des instances juridictionnelles de tous ordres. Une évaluation très rapide des frais juridiques de la part de la FECAFOOT fait état aujourd'hui de plus de 930 millions de francs CFA depuis 2015. Le camp d'en face lui évoque 500 000 francs CFA, des frais dépensés, de l'argent jeté par les fenêtres, figurez-vous. Lorsqu'on fait une évaluation, cela fait pratiquement 1,5 milliard de francs CFA. Cet argent aurait dû pourtant développer le football jeune quasi inexistant ou à construire un stade dans une des régions encore peu gâtées en infrastructure. La FECAFOOT, compétente sur la question, a retiré toute prérogative à la Ligue de football professionnelle à qui elle avait pourtant donné les moyens d'organiser les championnats. L'organe lui-même a été réhabilité par le tribunal arbitral du sport. Malheureusement, la sentence bute aujourd'hui à une fin de non-recevoir de la FECAFOOT qui elle-même plus tard a vu le processus électoral ayant conduit l'actuel président aux affaires annulé par la même instance. La FIFA vient, n'est-ce pas, rentrer dans le jeu en évoquant la nécessité d'assurer la continuité de ce service-là en demandant au comité exécutif de gérer les affaires courantes jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Dérogation cependant rejetée par le camp d'en face. Une crise, Germain Noël Essengue, qui n'a pas laissé insensible le premier des Camerounais, le président de la République. Ah oui, le premier sportif camerounais est monté au créneau le 10 février dernier, souvenez-vous, lors de son adresse à la jeunesse, en demandant aux instances fêtières du football de se ressaisir. Une invite suffisamment forte, mieux une sommation à l'endroit de nos dirigeants sportifs a sifflé la fin de ce match de trop. Le président a le verbe rare lorsqu'il en vient à exprimer son mécontentement. Le choix des mots n'est pas un hasard. Pour lui, le terme « se ressaisir » est une interpellation. Les mises en cause sont appelées à se rattraper. Le Cameroun, à travers le CHAN, vient de se vendre au monde. Son savoir-faire et son savoir-être font aujourd'hui école grâce à la volonté d'un homme, le président de la République,
qui a fait du football son ralliement pour promouvoir le vivre ensemble dont il en est lui-même l'artisan. Les bons points de cette volonté politique ne doivent pas être altérés par les appétits voluptueux des uns et des autres. La nation les regarde et cette interpellation vaut bien une mise en garde car le président peut passer à la vitesse supérieure à tout moment. Et l'histoire montre bien que à chacune des sorties du président de la République, il y a eu une solution bon gré mal gré. Alors Jean-Manuel Essengue, revenons sur le terrain du sport. L'une des valeurs fondamentalement reconnues, c'est le fair play. Alors où est-il passé ce fair play? Comment comprendre cette intolérance, ce pugilat, cette bataille tranchée? Que se passe-t-il et qu'est-ce qui a conduit à ce type de situation véritablement? Et oui, Véline, vous tombez ainsi dans le pic. Ce sont là les valeurs incarnées par le chef de l'État lui-même. La tolérance, le consensus, le président Paul Biya l'a démontré depuis le début de son magistère avec une démocratie apaisée en ouvrant ses portes à ses opposants les plus virulents. Ceux-là qui ont battu le pavé contre lui. Il leur a tendu la main, démontrant son fair play en acceptant, n'est-ce pas, les règles loyales du jeu. Les dirigeants de notre sport roi doivent cesser le jeu à somme nulle où le gagnant gagne tout et où le perdant perd tout. L'acceptation d'autrui devrait passer même au-dessus de tout intérêt égoïste. La CAN est déjà là. Il est bon de se débarrasser de cette pesanteur inutile qui n'honore pas le seul pays en Afrique qui compte aujourd'hui 7 participations en Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas une fierté? C'est une fierté, évidemment, Germain-Noël Essengue. Nous comptons sur la rédaction des sports pour suivre de près ce feuilleton. Merci. Absolument, Véline, merci. Et nous restons dans le terrain du sport et comme en écho à cet appel à un retour des joueurs dans les stades, cette bonne nouvelle qui nous vient de Nouakchott, la victoire des Lionceaux pour leur deuxième sortie en Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Junior Ndian Sondé a inscrit l'unique but de la partie à la 30e minute. Après la Mauritanie, c'est au tour de l'Ouganda de s'incliner face aux Lionceaux qui sont presque assurés de leur passage au second tour de cette compétition. Les temps forts du match avec notre reporter Robert Badiek. L'homme du match, c'est lui. Junior Ndian Sondé, à nouveau sauveur du Cameroun. Pour sa deuxième sortie face à l'Ouganda, l'attaquant a fait trembler les filets pour la deuxième fois dans le tournoi. Par contre, c'est dedans. Oh, quel but! La tête sur ce corner, le Cameroun qui ouvre le score et c'est lui, Sondé Junior, qui permet à cette équipe du Cameroun de marquer ce but. Sondé Junior, le ballon. Il est à la réception d'un corner dévié à la demi-heure de jeu. C'est la résultante d'une bonne phase de domination des Lionceaux qui, sur l'ensemble de la première période, ont eu la maîtrise du jeu. L'addition aurait pu être plus salée à la pause si l'attaque du Cameroun avait concrétisé les occasions qu'elle s'est créée. La deuxième période est un tout autre match. Les Lionceaux, conquérants de l'entame, se retranchent dans leur camp, subissant les assauts répétés des Ougandais. Ils procèdent d'ailleurs à des changements qui apportent plus de solutions en attaque. Malheureusement pour eux, ni Asaba entré en jeu, ni Bassangwa ne parviennent à remettre les deux équipes à égalité. Le Cameroun remporte son deuxième match de la CAN des moins de 20 ans et assure quasiment sa place. Au prochain tour. Une belle manière de clore ce dossier de la rédaction qui était consacré au football par cette belle victoire des Lionceaux à Nouakchott. Parlons d'autre chose à présent. 16 nouvelles entreprises privées de gardiennage autorisées à exercer au Cameroun. Ces nouveaux agréments du président de la République élargissent donc à 25 l'offre de services. Mais on sait très peu de choses sur le fonctionnement de ces sociétés, leur cahier de charges, leur champ d'exercice et même les acteurs qui les animent. C'est le sujet de la grande enquête du soir qui est signée Agnès Solange à Besolo. Un salut militaire en signe de respect. Le geste n'est pas anodin. C'est l'une des premières notions inculquées à l'agent de sécurité lors de sa formation. Ça fait partie d'une formation militaire. C'est pour ça qu'on les apprend comment saluer militairement. Mais qui sont-ils et comment les recrute-t-on? On recrute à partir de 25 ans. Et moins de 40 ans, masculin et féminin. Il faut avoir un cadre d'identité valide, une lettre de parrainage
un fiche de renseignement. Des modalités strictes de recrutement valables pour les 9+16 entreprises privées de gardiennage officielles que compte le Cameroun actuellement. Il s'agit dès lors d'une activité qui mérite d'être surveillée pour deux raisons. Leurs personnels ont une formation militaire de base, même s'ils fonctionnent sans armes. Ensuite, certaines sont appelées à utiliser des brigades canines. Une expertise qui devrait être visible sur le terrain à travers un rendement optimal. Or, ce n'est pas toujours le cas. Avec 35 000 de salaire par mois, certaines sociétés ne rassurent pas leur personnel quant à leur cotisation à la CNPS. C'est un problème réel. Cette situation concerne tant les salaires de ces personnels que le reversement de leurs cotisations sociales. Le mal étant reconnu, l'État rassure tout de même sur l'application des enquêtes de moralité des personnes recrutées dans ces entreprises. Il n'est pas normal que tous ceux qui ont déjà été en délicatesse avec la loi se retrouvent dans ces structures. Les personnes censées assurer la sécurité ne doivent pas devenir des facteurs d'insécurité. Et même si visiblement, les hommes en jaune sont quasi omniprésents, les services de gardiennage ne sauraient se substituer aux services régaliens de l'État, les forces de maintien de l'ordre. En économie à présent, le gouvernement espère lever 350 milliards de francs CFA à travers l'émission des titres publics 2021. Les fonds espérés se déclinent en obligations de trésor assimilables. Ils sont destinés à financer les projets de développement retenus dans la loi de finances 2021. Alors, comment va se dérouler la première phase de ces émissions de titres publics? Les explications de Lucrèce Mbenga. Trois dates à retenir pour la première phase des émissions de titres publics, les obligations du Trésor assimilables en l'occurrence, le 24 février courant, le 10 et le 24 mars prochain, pour des maturités de 5 à 7 ans et des taux d'intérêt de 5,5 à 6 %. Montant global recherché entre 90 et 125 milliards de francs CFA. Si le marché primaire est réservé aux spécialistes en valeur du trésor, notamment les banques, le marché secondaire des titres est quant à lui ouvert à monsieur tout le monde à condition de faire les démarches nécessaires auprès de son banquier. Et vous en avez le droit. Cette année, c'est au total 350 milliards de francs CFA déclinés en titres publics qui seront émis. Les fonds ainsi levés sont destinés au financement des projets retenus dans la loi de finances 2021. Les infrastructures routières et portuaires, les projets agricoles, l'eau et l'énergie sont autant de secteurs qui pourraient bénéficier de ces financements. L'administration fiscale, elle, fait son chemin vers la digitalisation. Le télépaiement et les procédures en ligne sont une réalité. C'est l'une des innovations de la loi des finances 2021. Contribuables et experts se réjouissent déjà du gain de temps et d'une plus grande sécurisation des recettes. Joseph Itoté, CRTV Littoral. Fini les paiements en espèces devant les guichets des centres des impôts, fini également les déplacements et autres files d'attente tracassiers. La loi de finances 2021 consacre le télépaiement des impôts et taxes. Dématérialisation s'agissant des déclarations, dématérialisation s'agissant de l'attestation de non-redevance, la dématérialisation s'agissant de l'attestation d'identification, c'est l'attestation d'immatriculation. Ça facilite la tâche aux contribuables. Ça permet aussi au centre des impôts de se concentrer au suivi des contribuables sans avoir besoin des contribuables devant eux. Les contribuables font donc l'expérience du télépaiement et des téléprocédures. Malheureusement, de temps en temps, la machine coince. Il y a encore des efforts à faire. Parce que bien que tout soit dématérialisé, on a encore de sérieux problèmes avec le serveur. Quoi qu'il en soit, l'administration fiscale camerounaise est déterminée à se moderniser. Outre le gain de temps cher au business, il y a la sécurisation des recettes derrière la batterie de réformes contenues dans la loi de finances 2021. Le Cameroun est invité au Forum économique et commercial Turquie-Afrique prévu à Ankara en avril 2021. L'invitation a été portée par Son Excellence Ayşe Sarak, l'ambassadrice de Turquie en fin de séjour au Cameroun. Elle était reçue en audience par le ministre des PME Achille Basile-King III. Excellente occasion d'explorer d'autres pistes visant à booster notamment le secteur artisanal au Cameroun. Écoutons le ministre Achille Basile-King III au micro de la CRTV. Je pense qu'en termes de rayonnement historique, la Turquie s'est illustrée dans le domaine de l'artisanat et donc de ce point de vue, en gestation
pour renforcer les compétences de nos artisans et surtout l'envoi de certains de nos artisans en formation en Turquie. Nous avons également passé en revue certains domaines prioritaires d'action pour nos PME engagées dans la transformation, qu'elles soient agroalimentaires, qu'elles soient dans la transformation du cuir et du textile, qui sont des domaines dans lesquels précisément la Turquie aujourd'hui jouit d'un avantage technique assez poussé. Et c'est dans ce sens que nous avons évoqué l'opportunité également de mission d'affaires. Réseau des parlementaires, diaspora, coopération décentralisée et transfrontalière a entamé il y a quelques jours la tournée des ambassades. Après l'Afrique du Sud la semaine dernière, c'était au tour de la Belgique d'accueillir l'honorable Luanri Ngantia et les membres du REPCODE. La Belgique accueille plus de 13 000 Camerounais sur son sol. Son Excellence Éric Jacquemin s'est dit prêt à coopérer pour faire de la diaspora camerounaise en Belgique une force de développement. Le reportage de Christophe. Faciliter le retour des ressortissants camerounais vivant en Belgique et encadrer leurs investissements, les sujets étaient à l'ordre du jour lors de l'audience accordée au président du réseau parlementaire pour la diaspora et la coopération décentralisée et transfrontalière REPCODE. Nous lui avons fait comprendre que nous sommes à la disposition de nos compatriotes de la diaspora. Nous sommes prêts à accompagner même les entreprises belges qui veulent investir au Cameroun, mais nous souhaitons que ces entreprises, quand elles arrivent au Cameroun, qu'elles mettent dans leur valise nos compatriotes de la diaspora. Cette initiative a trouvé faveur auprès de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun qui entend accompagner l'action du REPCODE par la sensibilisation des ressortissants camerounais vivant en Belgique. Une initiative constructive et qui est nécessaire. Ce soit nous ici dans notre juridiction, mais votre ambassade non, à Bruxelles pour véhiculer l'information, véhiculer les possibilités. Et ensuite, effectivement, comme je le mentionnais déjà, réfléchir à l'avenir de ce qui peut être fait. 13 000, c'est le nombre de ressortissants camerounais vivant en Belgique. Ce qui fait du Royaume le deuxième pays à accueillir la diaspora camerounaise après la France. La justice est bien tenue à Maroua, dans le Diamaré, dans l'extrême nord. Le président du tribunal de première instance de Maroua, Zizanle Essala, et le procureur de la République près les tribunaux du Diamaré, Jean-Paul Kiam, ont pris fonction avec la recommandation de rendre une justice équitable et rapide tout en luttant contre la surpopulation carcérale. Le compte rendu d'Aladi Mustafa, CRTV Extrême Nord. La salle d'audience de la Cour d'appel de l'Extrême Nord a fait son plein d'œuf à l'occasion de l'installation officielle du président du tribunal de première instance de Maroua, Zizamne Essaya, et du procureur de la République près les tribunaux de Maroua et du Diamaré, Jean-Paul Kiam, deux magistrats chevronnés qui doivent œuvrer pour une justice équitable, a martelé le président de la Cour d'appel de l'Extrême Nord. Ils doivent travailler plus fort qu'avant, assidieux, appliquer dans leurs fonctions et diminuer la population carcérale. Dans ces réquisitions, le procureur général près la Cour d'appel de l'Extrême Nord, Salatou Baba, a insisté sur la cybercriminalité qui prend de l'ampleur dans cette région, tout comme le trafic, la consommation des stupéfiants et la prostitution. L'audience s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont le gouverneur de l'Extrême Nord, Mijia Wabakari, et des acteurs du corps judiciaire. Ils sont à quelques jours de leur triomphe, les aspirants de la 38e promotion de l'école militaire interarmée. La bien nommée promotion Paix et Unité a choisi une plongée dans le public pour une journée d'échange et de partage. De nombreuses attractions organisées par ces aspirants officiers ont ravi un public très heureux de s'introduire dans ce moule d'excellence de l'armée camerounaise. Le reportage de Pierre Evembe. Les portes de l'école militaire interarmée ouvertes au public. Une opportunité pour le commun des mortels de découvrir les savoirs, savoir-faire et savoir-être de ces futurs officiers des forces de défense camerounaises auxquels il faut associer leurs frères d'armes de Côte d'Ivoire, du Congo et du Gabon. Avec la cérémonie de triomphe qui va consacrer leur entrée officielle dans la grande famille de l'armée, ceux qu'on appelle encore aspirants vont présenter une partie des 36 mois passés dans cette prestigieuse école qui fait la fierté du Cameroun.
Des ateliers alliant le ludique à l'utile avec patriotisme et professionnalisme comme fil d'Ariane. Dans cet atelier de topographie, nous avons la carte qui est là présente devant nous. Et à ce niveau, nous avons tout simplement ce qu'on appelle les jumelles. Nous avons juste l'objectif de nous orienter. La 38e promotion baptisée Paix Unité, composée de 342 hommes et femmes, affiche bien ses ambitions dans la promotion de ses valeurs et sera bientôt dévoilé. Malgré nos efforts, le COVID-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Notre chronique quotidienne sur le coronavirus interroge ce soir les différents types de tests et leurs variants selon les pays. Évariste Yenga et son invité, le docteur Foka, m'en parlent depuis le centre des opérations des urgences de santé publique. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir. Les tests, ils sont de plusieurs types et les protocoles peuvent varier d'un pays à un autre. Allons voir la différence entre ceux effectués au Cameroun et ceux dont on est sujet si l'on se trouve dans un pays étranger. Peut-être que les résultats aussi, au niveau des résultats, il y a également de la différence. Éclairage ce soir du docteur Joseph Foucault. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Alors vous, le spécialiste de la virologie au Centre international de référence Chantal Biya, le savez davantage que nous. Y a-t-il une différence entre les tests effectués au Cameroun, tests Covid bien entendu, et ceux effectués ailleurs? Évariste, effectivement, les tests effectués au Cameroun, surtout pour les voyageurs, suivent les recommandations de l'OMS qui demandent à utiliser les tests PCR, qui sont des tests moléculaires ciblant le génome du virus à SARS-CoV-2. Ces tests sont des tests de référence ayant les meilleures performances en termes de détection du coronavirus du type 2. À côté de ces tests, nous avons également les tests rapides antigènes qui, dans certains pays comme les États-Unis, sont utilisés aussi occasionnellement pour les voyageurs. Et en Europe, nous observons actuellement un relâchement de moins en moins de ces tests rapides qui sont un peu peu sensibles en comparaison à la PCR. Raison pour laquelle, de façon universelle, on a de plus en plus de tests de PCR qui sont utilisés pour les voyageurs et au Cameroun et dans d'autres pays. Au niveau de la PCR également, est-ce que l'efficacité est la même selon qu'on est au Cameroun, selon qu'on est en République centrafricaine ou aux États-Unis? Les tests de PCR ont des efficacités qui sont supérieures à 70% pour la plupart, et donc la raison pour laquelle un test PCR comparé à un autre, généralement ils ont des résultats similaires avec une différence non significative. Merci à vous. C'était le docteur Joseph Foka, notre invité ce soir, spécialiste en virologie au Centre international de référence Chantal Biya. Vous l'avez suivi, la différence des tests, elle évolue aussi selon les pays. Merci infiniment, Variste Yenga. Nous quittons le Centre des opérations des urgences de santé publique pour la région du Nord-Ouest, où les travaux de construction de l'hôpital de référence de Bamenda reprendre dans les prochains jours. Le chantier est abandonné depuis plus de 2 ans. Le comité de parlementaires du Nord-Ouest chargé du suivi et évaluation de la construction de ce site est descendu sur le terrain évaluer la situation réelle afin qu'au plus vite, ce don du président de la République à leur région profite rapidement aux populations. Le reportage d'Emmanuel Koloukou à Bamenda. Le premier arrêt de ces élus du peuple est au service du gouverneur du Nord-Ouest, où ils ont tenu une réunion à huis clos avec le délégué régional des travaux publics, celui des marchés publics et celui de la santé publique, en présence du secrétaire général des services du gouverneur, Vian Mekala. Deuxième arrêt, My Five, dans le 3e arrondissement de Bamenda, où se trouve l'ouvrage. Le chantier est abandonné depuis 2 ans. Sur les 14 bâtiments prévus, il n'y a que 7 qui ont été élevés
partiellement au niveau de la toiture. Face à la situation d'abandon du chantier, les parlementaires du Nord-Ouest souhaitent une reprise des travaux. Nous allons réunir tous les éléments pour savoir le pourquoi l'abandon du site et la suite. Et nous allons faire les recommandations à qui de droit pour que ce projet puisse reprendre. Cet ouvrage, donc du chef de l'État à la région du Nord-Ouest, profitera à la population qui a besoin des infrastructures de santé de qualité. En religion, vous les avez sans doute rencontrés aujourd'hui, ces chrétiens, le front marqué de cendres noires. C'est le signe distinctif de ce mercredi des cendres qui marque le début du carême. Des offices religieux ont eu lieu dans les églises pour entrer dans une période de 40 jours de jeûne, de privation et de prière. La cendre est aussi le signe de la finitude de l'homme, né de la poussière. Il y retournera. Pierre Binambarga. C'est bel et bien parti pour la grande endurance spirituelle de 40 jours observée par l'Église catholique, le carême. Ce jour mercredi des cendres, les prêtres ont justement imposé les cendres aux fidèles. Et ce geste est un rappel. La fin inéluctable de toute vie terrestre, c'est la mort. La mort qui nous amène à redevenir poussière. À chacun sa résolution. Je compte vivre un moment de pardon, pénitence et de prière. Le carême se présente donc comme un temps de ressourcement spirituel, une solidarité accrue autour des souffrances humaines. Le temps du carême nous fait assumer notre identité de souffrance, notre destin d'homme mortel, notre vie empreinte d'épreuves. Et c'est toute une école de vivre le carême en regardant le Christ souffrant. Prière, partage et pénitence, c'est cela la bonne nourriture pendant le carême. Le carême qui débouchera à Pâques avec le triomphe, mais en attendant, il faudra passer par le calvaire. À l'Ouest, la délégation régionale des transports est désormais équipée pour assurer le respect du code de la route. Il s'agit de radars, d'alcotests et de toxicotests. C'est le matériel promis par le ministre des Transports le 31 janvier dernier à la suite du terrible accident de Sanchu. Ce matériel vient d'être testé sur l'axe Bafoussam-Tian au lieu dit Bakassa. Les automobilistes indélicats ont vu rouge. Reportage Jean-Paul Pondy, CRTV Ouest. L'équipe conduite par le délégué régional des transports avait dans ses bagages deux radars semi-portatifs de dernière génération, plus des alcotests et toxicotests électroniques. Il s'agissait donc de procéder, après la phase d'imprégnation, à celle de démonstration et de sensibilisation des usagers par des formateurs venus de la Brigade nationale de prévention et de circulation du ministère des Transports. Deux équipements qui arrivent renforcer de façon significative les capacités opérationnelles des activités de prévention et de sécurité routière dans la région de l'Ouest. Réduire à sa plus simple expression les accidents sur les axes de la région de l'Ouest, ce matériel a toutes les qualités requises. Qui peut flasher un véhicule à plus à 100 mètres. Et c'est un appareil qui a plus de 24 mégapixels, dont sa luminosité est très visible. Passé la phase de sensibilisation, viendra ensuite la répression. Ce journal s'achève. Il a été préparé avec la collaboration d'Elvire Angeline Ballet, Augustin Gononga et Léa Moukeka. Merci de votre aimable attention. Merci de rester sur les antennes de la CRTV. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.